Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc nous sommes toujours à Mégaton. Nous sommes devant la clinique de Mégaton, devant le médecin pratiquement. Pour lequel nous avons donc. Pas vraiment, on va pas vraiment dire sauver la vie, mais presque. Pour d'un de ses patients, tout simplement. Appelez-moi de. Bon bah c'est bon, en fait il a rien à me dire de plus, le salaud. Dis-moi si je t'emmerde, que je pourrais lui dire. Dieu bénisse les États-Unis et rien d'autre. Oui, si tu le dis, hein, au passage. Hein. Excuse-moi, je t'ai pas du tout écouté parce que tu ne m'intéresses pas, mais. Faites tout votre possible. Ah oui, soutenez l'enclave, je m'en rappelle de toi. Atom, viens, impose ta présence à ton serviteur. Ok, bon, alors, on avait d'autres quêtes, chers amis, si je me trompe pas. On avait survivre à des olives et trouver des médicaments dans le super duper mart. Ah bah écoutez. Carte du monde. Il est pas loin en plus. Bah écoutez, on va y aller, chers amis. Je vais déroger à la règle, on va y aller. Hop. C'est parti, allons-y, soyons fous. Alors, il y a un marchand itinérant. Bienvenue à Mégaton. Envie de faire du troc? Tiens, parlant de troc, t'as raison de m'y faire penser. On va changer de vêtements le temps qu'on troque, justement. Troc plus 5. Troc plus 5. Bonjour. Faire du troc? Oui. Je suis là pour faire des achats. Si l'habit fait l'homme, j'ai forcément de quoi affirmer votre personnalité. Alors. Voilà, déjà ça. Je vais rien avoir pour toi cependant, mon cher ami, donc tu vas prendre juste ça, puis tu vas fermer ta gueule. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la... Ce serait possible de me faire réparer un truc, oui, le flambeur, plus 26%, ça me coûterait 103 capsules, putain. Fusil laser, on l'a pas essayé. Ok, bah laisse béton. Laisse béton, et on y va. On y va, chers amis. Le super duper mart. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais je me rappelle que c'était dangereux. Je sais plus si c'est des ghouls ou si c'est des super mutants ou des raiders. Donc ça peut être l'un des trois. Hein. Ça peut pas être autre chose, de toute façon. Tout ça pour dire que je sais que normalement c'est dangereux à l'intérieur, mais genre vraiment dangereux. Et je ne me rappelle vraiment plus ce que c'est censé être. Le voilà. Vous vous rappelez, on avait tué un chien par là. J'espère que ça vous dit quelque chose. On cherchait de l'XP à l'époque. Enfin bon, j'ai toujours très très hâte de pouvoir jouer au 4. Alors normalement, je sais plus dans quelle quantité ces trucs. Ah, celui-là c'est assez violent. D'accord. Bon bah tant pis. Un truc là-bas? Non. Non, non, ce n'est rien. Alors, nous y sommes. What? What? Non, pas les Yaoguai. Pas déjà. Ah non, surtout pas. Ah, il va pas être loin normalement. Alors, avec un peu de bol, je peux peut-être le ralentir. J'ai 32% pour la patte gauche. Ah
pour la ralentir, je crois qu'on a perdu. Si on l'a eu, on l'avait ralenti, on pouvait reculer sans trop se prendre de dégâts. C'est pas trop mal. Voilà. D'accord, c'est un machin à rayon laser, c'est pas intéressant. Donc ça, ce sont des raiders. Chasseurs. Tombe bien, je crois que j'aurai besoin de bouffe. Ha, ha, ha. Parfait. Ouais, par contre, il a dû faire un véritable carnage. Chasseur, ouais, encore un. Il a bel et bien fait un carnage. Avant de se prendre. Avant de se faire assassiner, codement. On va tout prendre, chers amis, on verra bien ensuite. Voilà. Yep. Ah, il y a du Nuka-Cola là-dedans. Bah oui. Bah oui, il y en a. Vous êtes en surcharge. Oui, mais j'ai des choses à réparer, cher ami. Alors, apparemment, j'ai plusieurs fusils de chasse. Hop, on fait déjà un de moins. Pistolet 32, 32. Bah écoute, on va en prendre un, on va en réparer deux. Pistolet tinois, hein. Pour ce qui est du reste, malheureusement, j'ai pas grand chose d'intéressant. Et je sais pas si je vais aller oser les utiliser, les autres trucs. Donc on verra bien. Une petite sauvegarde rapide, si le jeu veut bien. Merci. Et donc on va passer par cette entrée. En mode caché. Puisque maintenant, on se... On sait pertinemment... Ah, j'ai dû, excusez-moi, voilà, voilà pourquoi faut bien faire attention. .556, j'utilise quoi avec des .556? Bon. Déjà ça. Déjà ça. Déjà ça. Voilà, hop. Commencer par là. Hop, F5 et on y va. Alors. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Alors, est-ce qu'on peut toucher la tête de là? Avec très peu de chance. Je l'ai raté, parce que ça tremble énormément, chers amis. Faut dire ce qui est, ça tremble énormément. Fou. Pas descendre. On veut se cacher ? On vaudrait mieux que je te trouve pas. T'as eu ce que tu méritais, petite merde. Vraiment, c'est là qu'il se retourne ?
Et normalement, c'est là que je le rate. Voilà, et de 1. Ok, non, lui il va me faire du mal. La vache, il a quoi comme armure? Ouah! Bon, re, chers amis, alors je tiens à signaler que tous ces problèmes-là, en fait, sont dus simplement au fait que le jeu ne soit pas compatible Windows 7 et Windows 8. Et que, bah, du coup, il se met à gérer un petit peu comme il l'entend, tout ce qui est... tout ce qui est conneries de bugs. Et en fait, sans raison, bah, écoutez, il va... Sans raison, il va réagir de cette manière. Hop! Il m'a vu. Alors vous voyez le coup critique que je lui ai mis n'est absolument pas suffisant. Par contre son masque de hockey était assez classe. Je pense que je vais le prendre. On va bouffer des trucs quand même. Hop. On répare ça. Hop. Voilà. Au niveau du Nuka-Cola, on en a quelques-unes, on va en profiter. Ah, empoisonnement en radiation minimum. Bon, alors on va attendre un petit peu, chers amis, vous allez voir pourquoi. Normalement, l'autre toutoune de fille nous proposait déjà une quête concernant cet état de fait. Donc on va, j'imagine, faire d'une pierre deux coups, tout simplement. Je regarde simplement si on n'a pas des médicaments dans cette zone. On a du jet, on a quelques capsules. On a un buff out et on a un medix. Pile ce qu'on nous demandait. Enfin, ce qu'on nous demandait, non, ce que je cherchais moi. Des drogues pour pouvoir faire de l'argent dessus. Hop. J'ai été stupide. J'ai été tellement stupide que j'aurais dû utiliser une grenade. Oula. Grenade. Ok, c'est cool. Aïe, 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 aïe. Bon, raté. F9. Voilà. On a échoué, lamentablement. Donc on va aller la refaire. Et la refaire en mieux, surtout. Putain, je suis...
Je vis si mal. Ok. Un de plus. Putain. Il me fait deux fois la même. Trois fois la même. Ah, j'en ai touché un. T'es sérieux, t'es pas mort là? Voilà. Et de 1. Hein? J'entends encore ces saletés de bruit. Voilà. Et non encore. Ok, on arrête les conneries. Qui est là? On dégage. C'est moi qui touche le butin en premier. Ramène-toi. C'est l'heure du... C'est l'heure de rien du tout, sac à caca. What? Non! Oh non! Ah bah non, si ça arrive tout le temps, ça va pas être drôle. Heureux, chers amis. Bon. Cette fois, on va y arriver. Tu vas crever, saloperie! Tiens, bouffe! Mais qu'est-ce que tu fais? What? Voilà. Bon. On a pris extrêmement cher, mais c'est pas grave. Nuka-Cola. Hop. Voilà, F5. Avec un peu de chance, si on peut rejoindre l'autre bureau. Oups. Je crois qu'il m'a vu. Petite chasse. Il avait du vin. Je vais prendre le vin pour le prestige. Alors. Ça ne bouge plus des masses. Mine à capsule. Caisse de munitions facile. Soyons fous. Ah c'est bon, ça passe. Parfait. 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 Mine à capsule. Conducteur, vous savez, les machins qui coûtent hyper cher mais qui sont hyper lourds aussi. Clé de la pharmacie, on va la prendre. Paquet de cigarettes, on va le prendre. Boîte en mettant le vide, on va attendre. Alors, de ce côté-là. Fusil d'assaut, fusil d'assaut. Donc ça, c'est bon. Fusil de chasse, fusil de chasse.
Pas encore. D'accord. Le pistolet 32. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre utilisé? Des munitions 32. Le fusil de chasse, ben voilà. Donc on vire le pistolet 32. Hop, déjà on va s'en tirer avec ça. On verra ce que ça donne. Réservoir de moto, ça pourrait être intéressant. Vous savez ce que j'aime faire avec des réservoirs de moto. D'ailleurs, on l'a toujours pas utilisé ce truc-là. Bah, ça viendra, chers amis. Hop. Petite sauvegarde rapide, sait-on jamais, des fois que ça plante connement. Des munitions. Ah, alors attendez, parce que si on peut ne pas utiliser la clé. Dealing, non. Y a pas de VS de U de CCED. Blablabla. Alors, power off, F5. Juste. Putain. Je comprends pourquoi je prenais autant de dégâts. Ah, vous avez dû me le hurler dans les coms. Alors. Hop. Vous avez dû me le hurler dans les commentaires. Machine, on en a deux. Sailing, on en a quatre. Ah ah ah. Ça veut pas. Howling. Meaning. Legions, on a rien. Eh B. Clawing, on a rien de clawing. Alors là, ça peut être intéressant de savoir ça. Clawing, clawing, clawing. Donc déjà, plumbing, on peut pas. Warring, on peut pas. Costing, on peut pas. Contest, il y a déjà un C, donc c'est pas bon. Raiders, il y a un A. Large warning, gnagnagna. Farming, carrying, carries. Instead, carabine, cabine, worried. Un I. Started, il y a un A. Support. Ah, ça aurait dû être support. Ça aurait dû être support, chers amis. Ça aurait dû être support. Alors, ça aurait dû être ça, mais on va l'avoir, hein. Sermons, alors, oh. C'est quoi ce foutu mot de passe? Meeting, nothing. Burning, non plus. Et c'est censé être facile, hein. J'ai jamais compris ce principe. Intense, ça peut pas être ça. Ah! J'en chie, chers amis, j'ai fini par utiliser la clé. Cantine.
packing. Ransac non plus. Slavers, non. Alors. Bah dis donc, vous trouvez les deux seuls qui n'avaient aucun rapport. Ça peut pas finir avec un S ou un D. Là, ça c'est bon. Il peut pas y avoir un E. C'est pas ça. Putain, chers amis, je suis nul. Putain. Slavery. Mélissa. C'était Mélissa, putain. Allez comprendre. Déverrouiller. Merci. Pour ceux qui ne trouvent pas la clé, vous savez. Bah c'est ça. Ah, ça c'est quand même tellement plus simple. Dit l'homme qui va réussir à péter son... Faites pas chier. Faites pas chier les amis. Y'a rien dedans. Bonjour madame. Alors, est-ce que c'est l'infirmerie? Fléchette, je prends. Boîte en métal, boîte en métal, boîte en métal, boîte en métal, boîte en métal. Nettoyons Abraxo. Ceinture de cuir, boîte en métal. Oh putain! Vous l'avez vu comme moi, vous inquiétez pas, on va aller le voir, le bonhomme. Ouh! Ça aussi c'était cool. Ça aussi. Ah ah! Réserve pharmaceutique! Boîte en métal. Ok. Ferraille. Térébenthine, je prends. Bon, alors déjà, on commence. Oula, j'ai vu d'autres choses là-bas dans le fond qui étaient, somme toute, assez intéressantes. Pistolet chinois, je te lâche. Je te fais chier. On a trop de trucs. On a beaucoup trop de trucs. Fais virer le conducteur. Pèse lourd. La lampe témoin aussi. Et puis voilà, là on peut se déplacer correctement. Parfait. Munitions. Munitions, munitions. Oh putain. Faut qu'on l'active. En fait, il y a une équipe qui est de retour dans le magasin. Du coup, faut qu'on active ce truc-là. Lands, c'est pas ça. Keeps, c'est pas ça. Teams, c'est pas ça. Oh nom de Dieu, j'avais complètement zappé ce truc-là. Juarez, Steel, Cards. Cards, c'était Cards. Putain, on a du bol. Bon, lancez la procédure de maintenance.
Alors. Chargement de personnalité. Rocco R04V9, assistant de bureau. Lancement du protocole de bureau par défaut. Erreur. Chargement de l'agenda du jour. Erreur. Faille de sécurité détectée. Merci de reculer. Oh putain, il va me courir. J'ai eu un doute l'espace d'un instant en fait, c'est pour ça. Ah oui, je sais, je suis full encore. D'ailleurs, je sais pas comment je vais le faire cette fois-ci. Comment je vais faire? Ça me fait chier de lâcher un fusil d'assaut ou un truc comme ça. On va lâcher la térébenthine, c'est pas grave. La boîte à sandwich aussi. Au niveau de tout ça, qu'est-ce qu'on a contre trop qui est stupide? Oh non, y'a rien. On va lâcher un fusil d'assaut. Peut-être pas quand même. Puis là, ah, j'ai pas envie de lâcher ça. On va bien voir. Puis encore des choses à prendre là. Ah, c'est énervant, chers amis, c'est énervant. On a beaucoup trop de choses et on va en payer le prix, malheureusement. Et là, il faudrait que je lâche un autre truc. Voilà, bon. Vu ce que je viens de lâcher, ça vaut vraiment pas le coup de venir, en fait. Alors, est-ce... Alors, attendez, il aurait fallu qu'on prenne... Regardez. Ils l'ont cassé. Ce qui, je l'avoue, me fait drôlement chier. Hop. Le sabre d'officier chinois, je crois que je peux le... Je crois que je peux réparer un truc avec. Hop. Non? Je me suis trompé? Si, la lame du vampire. Donc j'en profite. Alors c'était quoi à la base la quête? Pour juste pour voir, pour rigoler. Trouver de quoi manger. Oh putain. Et j'ai pas encore trouvé, hein. Alors, on va avoir des problèmes maintenant. Ça c'est fait. Ok, donc je prends ça, voilà, ça me fout dans la merde. Sauf si je peux réparer celui-là avec ça.
qui rend les choses beaucoup plus simples. Je sais, c'est plus ce que je viens de faire. Hein. Hop les. Ton temps vient de s'acheter. Non, je crois pas. Oh putain, non, pas à ce moment-là.